Salut, c'est Cosmos Zero, j'espère que vous allez bien. Une vidéo de présentation de deck pour le jeu de cartes Gwent. Il s'agit d'un deck Skellige, Rage de la Mer, et on joue toutes les nouvelles cartes, le Kraken, Kelpie, et puis les poissons et les serpents de mer. Donc le principe du deck, c'est de faire des effets météo, des pluies ou des tempêtes chez l'adversaire, et avec ça, on va pouvoir améliorer ses cartes et faire des dégâts aussi chez l'adversaire. On va pouvoir jouer plusieurs fois aussi des cartes alchimie, plus on a de pluie avec la mariée de la mer, et on a un play final avec Ryogan l'immortel qui va déclencher toutes les tempêtes ou les pluies qu'on a à la fin du tour, combiné avec le Kraken, Mélusine, c'est vraiment très fort. Donc le deck est relativement bon, surtout sur un round long. Quand c'est un round court, on a quand même des possibilités de faire revenir Mélusine. Si on l'avait au premier tour, on va pouvoir avoir un Mélusine quand même assez gros et le faire revenir, faire pas mal de points avec l'immortel aussi. Après, il y a des fois il est banni aussi, il y a quand même pas mal de gens qui jouent de quoi bannir des cartes du cimetière. Donc c'est à voir, c'est encore à adapter. Peut-être que le Kraken aussi est pas adapté, et peut-être que jouer Fukushia c'est mieux. Mais en tout cas, moi c'est le deck que j'ai fait et j'ai voulu mettre toutes les nouvelles cartes pour tester. On va voir en tout cas cette liste ensemble. Alors, Rage de la Mer, on génère pluie. Donc ça, on va l'utiliser ou pour sortir les poissons ou pour essayer de booster, pour avoir un meilleur retour d'une carte alchimie avec Mariée de la Mer. Après, tout simplement aussi pour faire des dégâts et des points avec Messager de la Mer. Crâne de cristal, pour améliorer une unité alliée de 4 points, ajouter l'attribut voile. Voile, donc ça permet que l'adversaire ne verrouille pas, mais l'usine, il en a déjà un. Mais par exemple, sur les messagers de la mer ou sur des cartes qui vont faire des pluies, ça peut être bien. Aussi les petites affrues, ça peut être bien. Donc le Kraken, la nouvelle carte, c'est une bête. On la joue chez l'adversaire. On va générer des tempêtes, donc il va prendre des dégâts. On va essayer de le détruire avec les serpents marins qui font 3 points de dégâts. Et plus on a de bêtes, plus il va revenir avec des points du côté de notre plateau. Alors, il y a des Royaumes du Nord aussi qui jouent beaucoup d'amélioration, donc ils vont améliorer le Kraken et vous n'allez pas pouvoir le récupérer. Donc, à voir si c'est correct, mais j'ai quand même réussi à le faire fonctionner quelques fois. Donc, Mélusine, donc lui, si jamais il y a un round court, on va essayer de l'avoir au round 1 ou on peut essayer de le chercher avec le décret royal. Essayer de l'améliorer un maximum, parce que lui, il va faire des points de dégâts sur les côtés et améliorer sa force. Et sa force, c'est la force initiale. Donc, quand il revient, quand il est dans le cimetière, on peut avoir un Mélusine à 13, 14, voire plus. Donc, à la fin, si on fait un rituel, on peut peut-être récupérer Mélusine, bien que le rituel, c'est sur Ryogan, mais il y a possibilité de faire le rituel deux fois. Décret pour chercher une unité dans notre jeu. Ablette, donc ça, c'est, on ne la veut absolument pas dans la main de départ, et elle va sortir dès qu'on joue une carte or. Donc, en général, on en joue une au premier tour. Kelpie, donc ça c'est la nouvelle carte, on va générer pluie sur une île pendant un certain nombre de tours et on a des bêtes, donc ici ce sera 4 tours, donc pareil, ça permet de faire plus de pluie pour la mariée de la mer par exemple sur une ligne. Et ensuite, chaque fois que des ennemis subissent des dégâts, pluie ou tempête, on l'améliore de 1, un peu comme les messagers de la mer. Après là c'est que 1, je crois que les messagers de la mer c'est autant de dégâts qu'il y a de pluie. Rituel de Sigrifa, donc pour faire revenir une carte de son cimetière, donc ça peut être Mélusine comme j'ai expliqué, mais le but premier c'est surtout Ryogan l'immortel. Donc à la fin, on va jouer cette carte et ça va faire toutes les tempêtes et les pluies. On peut avoir pas mal de tempêtes sur la fin, on en joue quand même pas mal. Avec le Kraken, on peut en faire. Et donc, ça déclenche tout. On va essayer de tuer le Kraken avec ça et de le récupérer. Il est souvent banni, je trouve, dans la méta, mais j'ai quand même réussi de temps en temps à le garder. Et puis, si l'adversaire utilise une carte pour bannir Ryogan l'immortel, bah, il vous reste quand même Mélusine. Ça peut quand même être bien. Mariée de la mer, on rejoue une carte alchimie. Donc la plus simple, c'est la bénédiction de Freya, parce qu'elle coûte 5. Donc c'est 4 de base. Donc il suffit d'avoir une pluie, on peut faire revenir la béné de Freya. Et l'idéal, c'est de faire le rituel de Sigrifa, mais il est à 8. Donc il faut 4 pluies ou 4 tempêtes. Mais avec le rage de la mer, notre leader, on peut les faire. Donc on peut faire revenir une carte alchimie de résurrection d'une unité ou même d'une or avec le rituel de Sigrifa. Culotte, donc lui, ça sert à cycler, on le veut évidemment pas en main. Donc il peut lancer raid. Raid, ça veut dire à chaque fois que vous jouez une carte, il a 10% de chance
de sortir de votre paquet et ça s'additionne. Donc, si on joue deux cartes, c'est 20. Si on joue trois cartes, 30, etc. Donc, au bout d'un moment, il va sortir. Tempête de Skellige a joué plutôt à la fin, générer tempête sur une ligne ennemie pendant deux tours. Peut-être la ligne où on a le Kraken. Et ensuite, on déclenche toutes les tempêtes avec Ryogan l'Immortel au tour suivant. Dungeon God Fret, donc lui, il faut avoir une unité ennemie blessée et on va pouvoir verrouiller une unité. Donc ça, c'est intéressant, ça nous donne du contrôle. Grémiste pour purifier, si jamais chez nous, il y a un verrou ou des poisons, des choses comme ça. Messager de la mer, donc chaque fois que pluie ou tempête inflige des points de dégâts, on va améliorer la présente unité du nombre de points de dégâts infligés. Donc si c'est une pluie, ça va faire 2 points, s'il y a 2 unités, et si c'est les tempêtes, c'est beaucoup plus. On va essayer peut-être de les faire revenir avec Bénédiction de Freya, donc la carte alchimie. On va rejouer une unité de son cimetière. Par contre, elle a condamné, donc on ne pourra pas le faire le tour suivant. Si on la rejoue condamnée, ensuite, elle ne va pas aller dans le cimetière pour le round 3, par exemple. Ours déchaîné, donc une bête, ça combotte avec Kelpie. Et on peut la jouer tout de suite et du coup, on ne fait pas les 2 points de dégâts. Sinon, on peut les mettre sur les armures. Par exemple, du fidèle de Mélusine. Donc lui, il génère pluie pendant 2 tours. Et si au terme de son tour, une pluie affecte la ligne opposée ou une tempête, ben on va pouvoir améliorer ou lui à droite, l'unité à droite du fidèle de Mélusine ou les unités adjacentes si c'est une tempête. Poisson pêcheur, donc au terme de son tour, on va les invoquer s'il y a deux lignes de pluie ou tempête. Donc avec le chef, par exemple, on peut faire, et puis on a quand même pas mal de pluie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au terme de ce tour, si aucune ligne ennemie n'a pluie, ils vont retourner dans votre jeu et vous pourrez au round suivant les faire revenir. Par contre, s'il reste une pluie, ben, ça ne va pas marcher. Serpent de la mer, donc on va améliorer la présente unité de 1 ou 2 points. Ça dépend du nombre de pluies ou de tempêtes. Ça peut même être plus. Et surtout, on va infliger 3 points de dégâts à une unité ennemie. Et par exemple, pour aider à tuer le Kraken, c'est très bien. En même temps, ça fait un peu de contrôle. Et petit affru, donc pluie, mais elles se font des points de dégâts. Et par contre, elles ont lien. Si on en a une déjà sur le plateau, elle va s'améliorer de la force initiale de cette carte de 2. Donc, ce sera 8. Voilà pour la liste des cartes. Le deck, il faut faire attention aux mulligans, parce qu'on a quand même pas mal de cartes qu'on ne veut pas en main de départ. Ablette, culotte, les poissons pêcheurs, les bénédictions de Freya au début, par exemple, on ne les veut pas. Il y a aussi le rituel qu'on ne veut pas trop, bien que l'adversaire va peut-être gérer des cartes au tour 1. Mais faire quand même attention avec le mulligan, et si on a quand même la bonne combinaison, c'est assez fort. On va voir en tout cas quelques parties avec le deck. On est contre manœuvre de pince. Donc les cartes hein, qu'on veut pas, on veut pas culotte. Rituel, je le veux pas maintenant. Ablette, non. Faire attention au mulligan, il y a quand même pas mal de cartes qu'on veut pas. Jouer le fidèle. Okay, il joue son emplacement. Prochain tour, je peux faire l'autre fidèle. Je joue l'ours, on va voir. Je vais attendre qu'il pose plus d'unités. J'aurais peut-être dû jouer dans l'autre sens ours et ensuite fidèle. Okay. Ça, c'est déjà bien. Petite affru. Est-ce que je cherche mon Mélusine?
Faudrait que je sorte mes poissons aussi. Ok. Ok, il joue Jaskier. Du coup, je fais ça derrière. Je peux jouer ça. Ouais, on va le mettre derrière. Je purifie. Et. Ouais, sur la petite affru. Je suis pas mal, j'ai déjà pas mal de points. Ryogan, l'immortel, je pourrais le faire revenir. Il faut juste la bonne carte. Le roi, je peux le verrouiller si je veux. Ah, il peut purifier avec les services. Ouais, c'est bien ça. Il joue l'autre emplacement. Je pense que je vais passer. Waouh. Culotte, il vient au bon moment. Il pourra améliorer de 16 points, ça fait beaucoup. Mais déjà, faut qu'il gagne ce round. Est-ce que avec... Après, il peut la jouer, ouais, voilà, maintenant. Ok, il joue à un sorceleur. Il faut viser au-dessus de la cible pour la toucher. Il est obligé de jouer encore une carte. Ah non, ok. Donc j'ai une carte d'avance. Après, il a encore du leader. Il a ses emplacements, mais est-ce qu'il peut... Le réinitialiser, ok, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça je peux faire revenir, chercher mon Kraken aussi. Et sinon... Ouais, mais l'usine ça aurait été bien. Je peux peut-être... marier... Mais non, ouais, ok. C'est mieux ça. Je vais pouvoir faire revenir mes poissons aussi. Je pense que je vais peut-être jouer Mélusine tout de suite. Et ensuite messager à côté. Améliorer ça aussi. J'ai une bête avec le messager, il faut quand même qu'elle survive.
tempête. Chercher le kraken. Tout puissant, ok. Du coup, je peux... Ouais, je vais attendre. J'hésitais à faire pluie tout de suite devant, mais... Je vais attendre. Ouais, c'est ça, il va réinitialiser ça. Du coup, il a 16 points. Au bout du compte, la mer engloutira tout. Ah ouais, c'est... fait beaucoup de points. Et on va refaire une pluie là. J'aurais peut-être dû faire dans l'autre sens. Non, de toute façon c'est 4, c'est par rapport au nombre de bêtes. Mes poissons qui reviennent. Je vais quand même faire pas mal de points. Mais lui aussi, c'est ça qui est... Vous voyez, voyager est un choix, et l'un des meilleurs. Qui est terrible. Je cherche mon kraken maintenant. Ah ouais, mais il va mettre l'amélioration dessus. Et... Ah. Aujourd'hui, je suis mercenaire. Demain, je serai roi. Okay. Là, je pense qu'il a fait une erreur. Et on va taper dessus. Presque, il arrive à réinitialiser encore quelque chose. Prêtresse. Le monde est un livre ouvert. Ah ouais, il va l'améliorer. On va faire ça comme ça. Est-ce que je fais... Non, je pense que c'est pas nécessaire. Et ensuite, j'aurai mon immortel ici. Ah, le kraken, c'est dommage. Si j'avais réussi à le tuer, je pense que... Ah, mais non, mais c'est bon. J'étais même mieux. On est contre Éclat de Gloire. Il va faire beaucoup de points. On a un tour, lui. J'ai une main assez correcte. On enlève ça, on veut pas culotte. Les deux, ça fait beaucoup. Ok. Je vais jouer mon ours en premier. Culotte qui vient, très bien. J'ai un messager de la mer. Marié, je pourrais peut-être faire revenir la béni. Ça, j'aimerais bien le tuer. À travers la tempête. Je peux avec une pluie et un serpent marin. Après, je peux jouer Mélusine aussi.
la possibilité aussi de faire revenir Mélusine avec, avec le rituel. Et si on a assez de pluie, Marie, on peut refaire le rituel et sortir Ryogan l'immortel. C'est un peu compliqué, c'est vraiment dans les meilleures conditions qu'on peut faire ça. Là, je pense que je vais jouer Mélusine. J'ai joué pas mal de pluie. Par contre, ouais, ce qui me... Ouais, évidemment. Ça, c'est un peu embêtant. Après, je peux faire le cristal. Faire comme ça. Je fais quand même une pluie. Non, j'attends. Après, il fait clac 4. Ouais, j'aurais peut-être quand même dû faire la pluie. J'aimerais bien en faire 2. Sur chaque ligne pour sortir mes poissons. Et je joue messager et je fais mes deux pluies, à moi qui gère ça. Ouais, ok. Ah, il préfère... préférer essayer de gérer... Ah, il essaye d'avoir, ok. Du coup, go. Là... Là, il va sans doute mourir, mais au moins je fais ressortir mes poissons comme ça. Et... Ouais, culotte, je peux... c'est pas la peine que je le fasse revenir. J'aurais pu aussi verrouiller ça. Après, je peux jouer fidèle. Il passe. Du coup, Mélusine, il est à 12. Ok, j'ai le kraken. J'ai les poissons. Est-ce que Grémiste, j'en ai besoin? Non. Petit affru, c'est bien. Après, je pourrais avoir Kelpie. Après, c'est une pluie. Si je fais ça, ça... Je suis sûr d'avoir une pluie. Après, j'ai plus avec lui. Ah, ok. Go. Attends mes prières. Accorde-moi ta force. Ok, il va up ses guerriers. C'est merveilleux de parler notre langue. Il faut que je joue ma Bene avant. Je peux faire revenir messager. Derrière, après il va faire des dégâts avec ça, mais je peux utiliser mon leader aussi. Je vais ressortir mes poissons. Après, j'ai pas eu le rituel, ouais, évidemment. Je fais comme j'ai dit. C'est un message confidentiel, Fumar. Faut absolument qu'il joue une unité derrière que je puisse faire. Ouais, par contre, il a full. J'aurais pas grand chose avec le kraken. Je joue un poisson.
peut-être jouer Kelpi et 4, ça fera 3 et j'aurai assez pour faire revenir. Il faut 5. Ouais, je pense que je vais faire ça, c'est ça le plan. Faire ça comme ça et ouais, je fais ça là comme ça mes poissons sortent. Ah oui, mais ils sont pas ok. En fait il faut qu'il y ait, ouais, c'est au terme de son tour, donc en fait il a passé correctement. Ça, je peux verrouiller. Tu viens avec moi, mort ou vif. Deux. Et ouais, c'est bon, je pense, avec ça. Je fais revenir. Par contre, est-ce que le Kraken, j'arriverai à... De toute façon, je veux qu'il utilise son éclat de gloire. Et aigle. Elle, c'est devant. Ouais, du coup, je pourrais... Ouais, mais je vais perdre mes pluies. Je vais déjà faire ça. Ah ouais, mais j'avais pas... Du coup, j'utilise l'ours. Et je tape là. Je vais faire ma pluie comme ça. Ça a quand même abîmé. Et on va jouer le Kraken devant. Ça va quand même faire pas mal de dégâts. Et je le tue. Après, la Drummond, là, le guerrier, elle est un peu embêtante. Je vais récupérer mon Kraken et à voir si ça suffit. Et au pire, j'aurai ça. Rituel pour faire revenir et genre messager, ce serait top. Là, il m'a manqué un messager pour être un peu plus fort. Ok, roi. Bien sûr. Normalement, il meurt, à moins qu'il arrive à l'améliorer. Ok, j'ai rien de... Ouais, si, il y a ça. Ok. Là, ça fait une bête en moins aussi pour le Kraken, c'est un peu dommage. Il peut taper sur la 8, s'il fait son éclat de gloire. Il a que... Ah, il y a pas mal d'unités blessées quand même. Ouais, il va taper sur la 8, je pense. Ok. Dix points ou une carte, il fait pas. On est contre Zèle Inspiré. Ça, je veux pas. Le poisson non plus. Ok, ça c'est bien. Et je garde le rituel. J'enlève la bénée.
j'ai pas l'ours. Mais je peux jouer un... mon cultiste, le fidèle de Mélusine. Peut-être petit affru. Je peux chercher aussi, si je veux, Mélusine. Ça peut être bien. Est-ce qu'il a du contrôle, lui? Ouais, c'est nouveau avec les emplacements et l'amélioration. Prochain tour, messager, les pluies sur chaque ligne, comme ça je sors mes poissons. Le problème c'est qu'il va rien poser, ou alors je fais d'abord Mélusine. C'est peut-être mieux. Je pourrais améliorer ma petite affru si je la blesse. Pour les emplacements, faut vraiment que je gagne ce tour et que je passe après. Ah, il joue les chasseurs. Après, je peux les gérer si je veux. Mais dans ce cas-là, il faut que je cherche le serpent. Ouais, là, je l'ai pas. Ouais, je pense que je vais choper Mélusine. Au pire, je pourrais le faire revenir. Ouais, j'attends encore. Pas le temps de pleurer du jeu. Je te l'avais dit, Crétin. Il va en copier. Les poissons auraient vraiment été bien. Après, j'aurais pu aussi... Je peux en verrouiller un si je veux. Ah oui, mais il faut que je... Ah ouais, j'ai... Misplay, il fallait d'abord que je blesse. On va de toute façon faire ça. On va mettre ça là. Ah. Dommage. Ok. Ouais, il faut qu'il y ait soif de sang, de 1. Donc, fallait que j'attende que ça blesse avant de jouer. Mais ça pas, vu qu'il a passé, ça n'a pas tant d'importance que ça. Qu'est-ce que je peux faire revenir? Ouais, un fidèle. Après, je peux sans doute avoir mieux. J'ai déjà le rituel, donc... ça, c'est trop. Ok, bon. On va bleed. À travers la tempête. Ah, j'aurais peut-être joué l'ours avant. La plume est plus puissante que l'épée. Après, je pourrais avec Kelpie et un leader, je pourrais faire revenir le rituel avec Marie, parce que le rituel, il est à 8. Donc, je pourrais peut-être tout de suite faire mon... J'ai déjà joué ça. Du coup, ouais, je peux faire revenir mon Mélusine. Je crains rien. La peur est l'apanage des roturiers. Faut juste que... On va faire ça comme ça. 5, ouais. Je joue mon rituel, je fais revenir Mélusine, genre je le mets entre les deux. Ah ouais, peut-être que c'est qu'à droite. Ouais, c'est ça. Je pourrais jouer un messager.
Après, il faut que je joue quand même bien dans l'ordre. Ok, l'amélioration, je crois, elle reste pas. Je fais mon ours comme ça. Je suis à 5. Messager. Ah, ça c'est chiant. Après, elle est à 4, donc... maintenant ça fait toutes les pluies. Après, est-ce que je fais pas ça comme ça? Ça aurait été... j'en garde une au cas où ils mettent quelque chose derrière, que je puisse faire sortir mes poissons. Mais il va pas le faire. Après, qu'est-ce que je peux faire revenir? Ouais, hein, faut que je le fasse maintenant, je pense. On va prendre ça. À travers la tempête, elle nous guide. C'est un drôle de deck amélioration, mais... je peux tuer ça si je veux. Et je fais quand même la pluie derrière pour avoir les poissons. Et prochain tour... ouais, c'est... après, si je fais derrière... peu importe, je pense. On va faire ça. Ouais, c'est pareil, on va la mettre derrière. Faire le rituel et... Ryogan, n'importe où. Je pense pas qu'il puisse rattraper autant de points. J'ai juste fait le misplay avec le verrou, mais ça a pas changé grand chose. Voilà. Voilà, une victoire. En tout cas, j'espère que les parties vous ont plu. Donc vous pouvez facilement récupérer le deck. Hein. J'ai mis le partage, donc vous cliquez dessus. Et ça, vous pourrez l'importer ensuite dans votre bibliothèque. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le deck, il est relativement solide, mais après, on a beaucoup de cartes qu'on ne veut pas en main. Donc, il faut faire quand même attention aux mulligans. Pas trop mulligans, pas avoir de briques. Hein. On a les poissons, on a culottes, on a ablettes. Mais par contre, ça sique beaucoup. Et du coup, on a souvent les bonnes cartes après. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !